Mali farikulunaje bela jele nyanabo yoro ministriso. Ale ye bataki ke mercredi jwe kalot le mwan konodon samba fla an mwan. Ka ira farikulunaje ke lao ni akanbo bela jele na kafo mounye ukulunaje ke ro. Nindu lati keno bola fokata se basketi ke ro. Ale na to bela jele ma. Ko ulu dale la. Ka damne mercredi jwe kalot le mwan konodon samba fla an mwan. Mali fan bela jele mfe. Okonna la uya nyini ma fembe no nulbe barala a farikulunaje ke ro na. Kuka yoro nun dale. Wala sa ma uka se kata uka farikulunaje ke akena okonona la. Nga ka bela jele kake coronavirusi no yetangali wale amunu sigle no senka kake ni coronavirusi bana ale charne balie anga jamana konnala ada oka uye hakila jinke ka fawandu la tikene nukundat kula kake ni season extraordinaire mu ke la conseil supérieur de la défense fait merci calote letan wolon fla samba fla an mwa na sira senka kuluba kake ni coronavirusi bana nani anga jamana konnala Uya kunche ni fulikanyi kanyeshi farikulunaje kelau anaka nubo bela jelema. Ni demse nubo bela jelema. Kadaka ubela jelenye degumuku awagati kononala. Uwalasa koronavirisi bana charli ubiseka balichukumna. Komunike inkela bamaku. Jwe kalut le mugani konodon. Samba fla animuka. Minister Secretary General aleka tega nubla bay akan. Dans un communiqué publié le mercredi 29 juillet 2020, le ministère de la Jeunesse et des Sports a l'honneur d'informer l'opinion nationale et internationale, particulièrement le public sportif et les organisations de jeunesse, de la réouverture des infrastructures sportives et socio-éducatives publiques sur toute l'étendue du territoire national, à compter du mercredi 29 juillet 2020. En conséquence, le ministère de la Jeunesse et des Sports instruit aux responsables de ces infrastructures sportives et socio-éducatives publiques et aux dirigeants des organisations sportive et de jeunesse de veiller au respect scrupuleux du protocole sanitaire sur les mesures barrières de prévention COVID-19 édictées par les comités scientifiques COVID-19 du ministère de la Santé et des Affaires Sociales. Le département des sports maliens a rappelé aussi que la fermeture de ces infrastructures sportives et socio-éducatives publiques faisait suite aux décisions prises lors de la session extraordinaire du Conseil supérieur de la défense tenue le 17 mars 2020 à Koulouba sur les mesures relatives à la pandémie de COVID-19 dans notre pays.